Donc bonjour à tous et à tous. Voilà, je vous présente ce workshop Atteindre le Vaiji. Le Vaiji, c'est en chinois le mot crise qui est formé de deux sinogrammes. Celui de gauche veut dire catastrophe, celui de droite veut dire chance. Et donc, dans la philosophie chinoise de gestion de crise, ils considèrent que subir une catastrophe est une chance, car si l'on subit une catastrophe, c'est qu'on ne l'a pas préparée, c'est qu'on n'a pas su mettre en place la prévention et les protections. Et donc, on va pouvoir le faire, et en cela, c'est une chance. Et donc, au fil du temps, le Vaiji est devenu le nirvana de la gestion de crise. Alors, le chemin pour atteindre le Vaiji est très long. Il est surtout fondé sur le potentiel humain, du chef aux équipes de terrain et en commençant naturellement par les planificateurs. Et donc, pendant ce webinaire, je vais aborder l'entraînement, la cohésion, l'intelligence de situation des intervenants, mais je ferai quelques détours par les outils de la bonne gestion de crise, que sont les fiches opérationnelles, le tableau de bord et le retour d'expérience. Alors voilà une photo qui montre, alors j'ai pris volontairement un incident à l'étranger pour ne blesser personne chez nous. Voilà une intervention des pompiers ou des ambulanciers qui prouve qu'il y avait un plan, parce que avoir autant d'ambulances sur un incident, cela ne peut être que planifié. Malheureusement, ce plan me paraît peu opérationnel, car je souhaite plein de patience et de courage à ceux qui sont dans ces ambulances avant d'arriver à l'hôpital. Alors, vous allez faire un plan par risque, et vous allez commencer par établir vos plans sur les risques récurrents, pour atteindre petit à petit, les risques rares. Et donc, ça sera de la sagesse de vous préparer à ces risques rares. Et pour faire ces plans un par un, c'est comme le forgeron, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en planifiant qu'on devient planificateur. Alors, vos planificateurs sont-ils agiles? Pouvez-vous compter sur eux? Vont-ils vous préparer aux plans, qui vous seront utiles? Eh bien, pour vous en apercevoir, vous allez leur mettre un challenge, puisqu'ils ont préparé quelques plans rares, quelques plans sur risques rares. Vous allez leur mettre un challenge. Vous me direz que depuis 2019, le challenge s'impose à nous tous avec la COVID-19, et vous voyez très bien si vos planificateurs ont su adapter votre dispositif de crise à cette crise, cette pandémie. Vos plans sont-ils opérationnels? Il faut mieux s'en assurer avant la catastrophe. Pour cela, il faut déjà bien se dire qu'un plan, qui est l'outil principal de la gestion opérationnelle, n'est pas réservé à la catastrophe. Il doit vous être utile dès la tempête, et je dirais même que le meilleur des plans de gestion opérationnelle, c'est celle qui vous est utile dès le temps calme. Parce que dans tout temps calme germe une catastrophe. Et donc, le plan qui est vivant dès le temps calme, sera obligatoirement connu par tout le monde et opérationnel sous la tempête et lors du naufrage. La catastrophe, la crise, pardon, a trois critères. Il ne faut pas confondre crise et événement opérationnel. La crise, c'est quand vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas ce qui se passe, vous n'avez pas les moyens pour faire face. Et surtout, vous ne savez pas quoi faire, ni les conséquences de ce que vous allez faire. Et là, le stress vous gagne. Alors, cette planification qui va vous protéger, parce que la meilleure planification de crise, c'est celle qui vous empêche d'être en situation de crise,
Elle est faite par vous et pour vous. Je vous déconseille tous les copier-coller, je vous déconseille les achats par un grand cabinet, même la mise en œuvre, quoi, l'œuvre d'un stagiaire master que vous aurez engagé pour cela, même si vous pouvez vous faire assister pour la méthodologie, vous seul connaissez votre institution, son environnement, sa culture, ses potentiels, et le jour J, vous connaîtrez votre plan puisque ça sera le vôtre. Alors, pour vérifier que votre plan est opérationnel, eh ben, il faut lui adjoindre un tableau, des tableaux de bord. Le tableau de bord, à ne pas confondre avec la main courante, le tableau de bord, c'est ce pilote en phase 2, c'est ce que vous avez dans votre voiture, alors que la main courante, hein, qui est obligatoire dès que vous engagez une opération, elle enregistre tout dans l'ordre chronologique, sans mise en valeur des facteurs, des intervenants, etc., etc. Voilà, la main courante, c'est un acte notarial, hein. Le but, eh ben, c'est la source du retour d'expérience. Hein. Lorsque l'avion se pose en retour de mission, les mécaniciens ouvrent la boîte noire et regardent si tout s'est bien passé. Et malheureusement, des fois, c'est le témoin judiciaire. Quand il y a eu un accident, on regarde, grâce à la main courante, grâce à la boîte noire, les causes de cet accident. Mais ce n'est pas un outil de gestion de crise, puisque, comme je vous ai dit, les arguments, les items sont tous mélangés. Donc, comme dans la boîte de Duplo que vous offrez à votre enfant le jour de Noël, eh bien, pour arriver à construire quelque chose, il va d'abord falloir ranger un peu chacun de ses composants. Et puis, à partir de ces composants rangés, ben, vous pourrez organiser l'œuvre dont vous avez besoin, une maison, un avion, un bateau. Voilà, donc c'est vraiment fait par vous et pour vous, exactement comme la planification. Alors, comment construire son tableau de bord? Eh bien, en voilà un qui est un tableau de bord d'une municipalité en région Cévenole, au risque Cévenole. Donc là, c'est le tableau de bord qu'ils ont pour la vigilance. Donc un tableau de bord qu'ils ont construit avant l'événement, naturellement, et dont ils vont se servir dès que la Météo France déclenchera la vigilance. Alors vous voyez qu'il est prévu de mettre en place deux repères, hein, avec des vigies, de préparer le centre d'accueil si on évacue une partie de la population, on ne sait pas, hein, si on l'évacuera ou pas, et la mise en alerte des élus. Donc on voit en haut les 5 W, hein, habituels, what, when, where, etc. Donc en français, quoi, où, qui, quand et comment, donc les fiches opérationnelles dont on parlera tout à l'heure. En dessous, ben, vous avez des carrés qui vous permettent d'expliciter le centre d'accueil, les élus, de savoir combien il y en a qui sont prévus. Ben, il y en a 15 de prévus au plan, comme vous voyez. Et voilà, donc on saura rapidement combien ont été contactés, etc. Le PCC, le poste communal, et puis la presse, qui viendra de FR3, qui viendra du Gardois, le journal local. Voilà. Et puis quelques mémos. Donc là, c'est le plan qui a été préparé pour le stade vigilance. Il y aura un autre plan préparé pour le stade alerte, et puis les plans d'action et les plans du post-crise. On peut faire un tableau de bord pour de synthèse pour le PC ou par cellule composant le PC si vous avez un PC multicellule. Alors, quand construit-on son tableau de bord? Eh bien, après avoir établi, alors ça c'est le truc classique de la planification du cycle de gestion de crise, hein, état des lieux, planification, donc vous avez établi les plans et les fiches opérationnelles, eh bien là vous allez rajouter les tableaux de bord. Alors le tableau de bord, c'est une aide,
c'est une bouée de secours, hein, si vous êtes perdu, si vous n'avez plus quoi faire. Mais ça ne doit être ni un carcan ni une Bible. C'est ce qui favorise la mise en œuvre de votre intelligence de situation, que je vais vous expliquer ci-après. Le tableau de bord peut vous marquer des tempos d'action, hein. Par exemple, tous les 2 heures, vous devez téléphoner au COD, ou si vous êtes une usine, à la firme nationale ou internationale, ça doit vous rappeler le but à atteindre, ça vous permet de faire un état des lieux. Hein, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, d'avoir quelques mémos et en même temps de conserver le fil d'Ariane des actions, ce qui sera utile pour le rétex. Voilà, je dis toujours que le tableau de bord, c'est un outil de la conduite des opérations, mais c'est en même temps la validation de votre planification. Parce que si vous arrivez à traduire votre planification en item opérationnel avec les 5 W, eh bien, c'est que votre planification était elle-même opérationnelle. Si vous avez des difficultés, reprenez votre planification, elle n'est pas au point. Lors de la conduite, des opérations, l'avantage du tableau de bord, c'est qu'il vous permet de partager l'information, tout le monde peut le lire, chacun y rend compte de son domaine, mais chacun observe le domaine des autres et si interrogation il y a, il en fait part au commandant des opérations internes. Lorsque le directeur des opérations internes, d'habitude c'est le directeur de l'usine, c'est le maire pour les municipalités, voilà, dans l'armée ben, c'est le général. Vous voyez le niveau de responsabilité, donc il n'est pas à la conduite même des opérations, là c'est le commandant des opérations internes, exactement comme chez les pompiers. Le COS, c'est un pompier, le DOS, c'est le directeur des opérations de secours, c'est le préfet. Eh bien, l'information, le DOI, donc quand il vient au PC, au lieu de faire arrêter tout le monde pour dire, bon, que se passe-t-il? Eh bien, il lit le tableau de bord, et donc c'est la fin des points de situation qui faisaient perdre beaucoup de temps et qui permettent les réunions, mettons horaires, ne se consacrer qu'à la synthèse et à la préparation du futur. Voilà en quoi le tableau de bord est pour moi le couteau suisse même de la gestion de crise, parce que c'est en même temps un état des lieux, un état de situation, c'est en même temps un guide pour vous guider, c'est la boîte de secours, et c'est ce qui va vous permettre, grâce au rétex et à l'amélioration, d'atteindre le VAIG. Mais vos plans, votre tableau de bord, doivent être compris par ceux qui devront le mettre en œuvre, naturellement. Et donc, pour cela, je vous conseille de faire rédiger par chaque opérationnel, chaque concerné par le plan, une fiche opérationnelle. C'est-à-dire qu'à partir du plan, il regardera ce qui le concerne et il écrira lui-même son plan particulier, sa fiche opérationnelle. Un, il aura compris le plan, ce qui est déjà beaucoup, et deux, il va personnaliser sa fiche avec vous, hein, naturellement, c'est une co-rédaction, et donc vous allez atteindre l'efficacité. Et comme cette fiche sera son plan, ça sera accepté. Il l'acceptera beaucoup plus facilement. Donc, quand il interviendra, il n'obéira plus, il participera, et donc c'est beaucoup plus efficient. Alors, ces fiches, eh bien, vous avez d'abord la fiche alerte. L'alerte sonne, le SMS arrive, la sirène se déclenche. Qu'est-ce que je dois faire? Rejoindre tel garage, ouvrir les portes, démarrer le camion. Je ne fais rien d'autre, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne perds pas de temps et je me mets en situation d'intervenir quand les ordres arriveront. Et ces ordres, ben, me diront de regarder une de mes fiches actions que j'aurai rédigée moi-même.
en accord avec, naturellement, le COI, qui me dira, eh bien, tu prends la fiche action numéro 4 bis, et éventuellement, il peut y avoir des fiches actions de groupe qui concernent un ensemble de groupes, et donc la fiche action sera rejoindre le groupe, tel groupe à telle heure. En fait, le plan, il répond à ces questions, hein, ces 5 W, qui, quoi, où, quand, comment, et la fiche action, elle répond plutôt au comment. Bien sûr, en marquant qui et quoi, mais le où et le quand, ce sera les ordres donnés le jour J par le COI. Alors, je rappelle, comme pour le plan, les fiches d'action ne sont pas des ordres. Elles fixent simplement les protocoles, les limites d'action, les règles de sécurité, les moyens, la coordination, les soutiens et comptes rendus. Donc, c'est vraiment le comment et qui va vous faire gagner un temps énorme. Et en plus, qui va vous permettre de gagner l'efficience, puisque non seulement vous gagnez le temps, mais vous gagnez la manière dont l'action sera exécutée, puisque la personne qui devra le faire aura rédigé lui-même sa fiche. Alors, votre dispositif est-il, pardon, totalement opérationnel? Eh bien, pour cela, vous allez le vérifier grâce à des exercices. Les exercices, c'est le dernier thème, le dernier moment, pardon, de ce que les Allemands appellent en gestion de crise la capitalisation, des opérationnels. Elle commence par la formation, l'entraînement et les exercices. Je vais vous montrer, bon, la formation, je pense que tout le monde comprend ce que c'est, mais la différence entre l'entraînement et les exercices est parfois perçue. Les exercices, ils contrôlent justement la planification et l'entraînement. L'exercice, c'est un contrôle. Il est là pour vous rassurer, votre planification est bonne et l'entraînement de votre équipe est bon. Et donc, vous êtes en capacité de faire face à une situation. C'est comme football, hein. Il y a l'école de formation où on apprend au jeune Mbappé à courir avec un ballon entre les pattes et puis à tirer dans le but. Et ensuite, il va s'entraîner. Il va s'entraîner seul, à l'abri des journalistes. Il va apprendre d'abord à mettre, puisque c'est son rôle, c'est de mettre des buts, à mettre un but dans une cage où il n'y a pas de goal. Puis on va lui mettre un goal, puis on va lui mettre des arrières, et puis on va lui mettre des ailiers qui vont lui passer la balle, etc. Et donc, pendant l'entraînement, le joueur va apprendre ce qu'on attend de lui, quoi, va s'approprier sa mission, va s'approprier ses outils et va connaître le milieu dans lequel il travaille. Et c'est là où la cohésion de l'équipe est en train de se faire. Alors que l'exercice, c'est le match amical, et je n'ai jamais vu dans un match amical, l'entraîneur arrêtait le match pour dire non mais regarde, t'as mal fait la passe. Il s'agirait que tu recommences. Donc, vous voyez bien que le match amical va permettre à l'entraîneur de savoir si la tactique qu'il a retenue, la planification 4-3-3 ou autre, est la bonne, adaptée à son équipe, et si chacun des joueurs est bien entraîné. Et puis, ben, l'expérience, elle sera acquise au fil des matchs, et là, on pourra dire que l'équipe est expérimentée. Pour quitter le milieu sportif, prenons le milieu artistique avec ce fameux concert du 1er janvier à Vienne, où vous voyez que le chef d'orchestre s'occupe beaucoup plus de la salle qui doit claquer dans les mains que de l'orchestre qui, lui, est entraîné. L'orchestre connaît les participations. Chacun sait très bien jouer. De toute façon, le chef d'orchestre les a entraînés
pendant des répétitions, le jour J, ils n'ont besoin que du tempo du chef d'orchestre. Voilà. Les entraînements ont cet avantage de faire vivre les plans. Parce que si le plan sert à caler une armoire ou est complètement perdu, le jour J, on se demandera ce qu'il faudra le lire, etc. Non, comme je vous ai dit, c'est un guide, hein, c'est pas... Il faut qu'il ait vécu. L'entraînement va, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va vous apporter la cohésion de l'équipe. Chacun sait ce que fait le voisin. Donc, vous créez là la cohésion. Et puis ensuite, il favorise la résilience, c'est-à-dire que face à une catastrophe non prévue, non planifiée, eh bien, l'équipe saura faire face sans être gagnée par le stress. Elle restera zen. Autre bienfait des entraînements, c'est de développer l'intelligence de situation des opérationnels, qui doit rester la priorité de tout bon chef. Alors, qu'est-ce que c'est que cette intelligence de situation? Ben, c'est lorsque l'opérationnel se retrouve seul, face à l'insolite, à l'incongru, au malveillant, et qu'il doit prendre des décisions, alors qu'il n'a plus obligatoirement les liaisons avec sa hiérarchie. Donc, il doit... participer à ce que j'appelle dans mes guides le concept du caporal stratégique, pour ceux qui n'ont pas fait leur service militaire, le caporal c'est le plus petit grade, et on considère toujours que la stratégie est du niveau du général, et le caporal lui met en œuvre. Et donc, le fait que le caporal peut se retrouver seul, moment très douloureux de l'armée américaine où un jeune sergent, une jeune sergente a maltraité des hauts dignitaires irakiens et qui a fait un tollé international qui a obligé les États-Unis de changer leur tactique et leur stratégie. Autre chose, lorsque vous avez un agent qui fait une ronde dans une usine, s'il voit quelque chose d'incongru qui n'a pas été planifié, qui n'est pas sur sa fiche opérationnelle, eh bien, s'il perd du temps à appeler la hiérarchie pour savoir ce qu'il doit faire, la catastrophe viendra. Pour les joueurs d'échecs, ils comprendront tout à fait ce que c'est que l'importance du pion, hein, qui, pour tous les débutants, sont ces pièces qui empêchent les pièces maîtresses de bouger, et pour les joueurs confirmés, c'est celle qui vous fera gagner en fin de partie. Alors, pour développer et permettre à chacun de développer son intelligence opérationnelle, vous connaissez cette série télévision « Fais pas ci, fais pas ça », où la maman qui a préparé le repas attend toujours ses enfants, et elle crie « j'ai dit à table ». Et donc là, c'est un ordre, mais c'est pas un ordre qui laisse beaucoup de place à obéir à l'esprit plutôt qu'à la lettre. Donc un bon ordre, c'est celui où le chef d'abord décrit la situation telle qu'il la voit, ce qui permet à celui qui reçoit l'ordre de vérifier que lui, sa perception de la situation est bien la même que celle du chef. Ça lui permettra de comprendre l'esprit de l'ordre. Ensuite, le chef donne son intention. Voilà où il veut aller, voilà ce qu'il veut obtenir si, en donnant cet ordre-là, et que l'ordre soit exécuté. L'action, ben, fait ci, fait ça, voilà. Mais donc, l'opérationnel qui reçoit cet ordre action, un, vérifie que la situation est bien conforme à celle que le chef croit, et deux, a compris l'intention du chef, et donc s'il ne peut réaliser l'action, il va la modifier
pour répondre à l'intention, ou si il s'aperçoit que l'action ne correspond pas à l'intention, il va l'adapter. C'est ça l'intelligence de situation, une liberté laissée à l'opérationnel pour obtenir le résultat. Vous voyez que on est loin du commandement classique, quoi, classique ancien, appelé commandement par la contrainte. C'est le commandement par l'adhésion, la participation. Et ensuite, ben, le chef rappelle l'organisation pour que l'opérationnel sache quels sont ses appuis, ses soutiens, qui est à droite, qui est à gauche, etc. Hein, je donne. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Ce n'est pas que dans le domaine des services régaliens, de l'industrie, des opérateurs, etc. Même une entreprise financière peut mettre en œuvre des plans d'action naturellement, et doit même. Et puis les contraintes, hein, les limites de cette liberté d'action offerte à l'opérationnel pour répondre aux ordres, et puis les potentiels éventuels dont dispose cet opérationnel. Alors, cet opérationnel, il a subi l'entraînement, quoi, il a participé à l'entraînement, on ne le subit pas, on participe à l'entraînement, il connaît la planification, il connaît l'intention du chef, il ressent la situation, il est donc apte à recevoir, c'est une délégation. Et plus il détient l'intelligence de situation, plus la délégation sera optimale par rapport à ce qu'on appelle une décision du haut vers le bas. Et donc, cette délégation, c'est une transmission, naturellement, d'idées, de consignes, c'est surtout des limites, hein, il faut bien fixer des limites, c'est des moyens et la confiance n'excluant pas le contrôle, le chef ne va pas ailleurs lorsqu'il délègue, il regarde pour savoir si il doit donner des consignes supplémentaires ou si il doit arrêter cette délégation. Mais vous voyez que en ramenant au plus près de l'incident du terrain la capacité d'action, de réaction, de modification, vous augmentez nettement l'intelligence, l'efficience de votre dispositif. Alors, seuls les chefs qui sont vraiment bien à l'aise dans leur commandement utilisent ce bon moyen parce qu'ils ont confiance dans leur équipe qu'ils ont bien préparée, ils ont confiance en eux aussi. Et alors que le chef qui est indécis, tatillon, etc., n'aime pas cette délégation, mais ça, ce n'est pas le bon chef. La délégation, elle est efficiente par le temps calme, parce que vous allez préparer votre équipe à la recevoir sous la tempête, où elle sera indispensable, et puis lors du naufrage où les communications sont rarement efficientes, eh bien, vous serez assuré que votre intention sera suivie et des actions réalisées dans ce but-là. Et donc, vous voyez que les trois niveaux d'une conduite des opérations, la stratégie, la tactique et la mise en œuvre, sont liées les unes aux autres et que chacun fait naturellement son niveau, mais avec la liberté des niveaux supérieurs. Ça vous permettra d'avoir une conduite partagée. Ça, c'est mieux que vous savez les conduites que les gens reçoivent par téléphone, même des fois découvrent à la télévision qu'ils doivent faire telle ou telle chose, alors que on les a pas prévenus la veille. Hein, un peu de rappel à la situation vécue par certains services actuellement. Et chacun apportera sa pièce au puzzle complet pour réaliser l'œuvre.
Alors, je reviens sur le tableau de bord, l'outil que je préconise, et je reprends. Voilà, il est 10 heures. La vigilance vient d'être déclarée par Météo France. Eh bien, où va-t-on mettre les deux vigies? Bien, voilà, les pièces sont marquées sur la carte. On a le repère sur le tableau de bord. L'affiche était bien prévu, et donc là, on met en œuvre actuellement l'alerte des élus. Il est 11h30, les deux vigies sont en place. L'une a dit que la hauteur d'eau était à 7 mètres, l'autre à 5 mètres 50. L'alerte des élus est terminée. On prépare actuellement le centre d'accueil. L'annonce de l'évacuation de la zone 1 a été prise par le maire et l'annonce de l'alerte au centre-ville est aussi en cours. Midi et demi, la mise en alerte des élus est terminée, l'annonce du centre-ville est terminée, donc on est passé du jaune qui veut dire en cours au vert qui veut dire fini. Si vous voyez paraître l'orange, c'est qu'il y a une difficulté. Si vous voyez apparaître le rouge, c'est qu'il y a une alerte, hein, classique, etc. Et donc là, vous voyez que l'alerte à la population par SMS ça présente un petit problème et que l'évacuation de la crèche Simone Veil a été marquée comme prioritaire par le maire. Voilà, la fermeture du pont Churchill, qui a été demandé par la gendarmerie, eh bien, sera réalisé par la police municipale à 13 heures. Donc, il lui reste une demi-heure pour faire cette évacuation. Donc, vous voyez, ensuite, en dessous, vous pouvez voir que le nombre d'élus, eh bien, sur les 15 prévus, 14 ont été contactés et 7 sont déjà présents. À l'accueil, le PCC, on marque qui est présent. Voilà, vous avez, on avance petit à petit. Pardon. L'inondation est terminée, ou au moins est maîtrisée. Donc, le pont a été fermé, l'évacuation de la crèche Simone Veil a été faite, la zone 1 a été évacuée. Restera à voir dans le retour d'expérience pourquoi il y a eu un problème d'alerte de la population par SMS. Et puis, voilà, tout est prêt. Le centre d'accueil, avec les items qui étaient préparés, de faire déjà la vérification technique a été faite et puis la capacité est à 80. Voilà, mais ça peut servir. Là, je vous ai montré un exemple d'une municipalité, mais là, je vous montre un tableau de bord d'une usine Seveso. Qui, dans le stade de PPI, avec simplement la situation et l'action, et donc une explosion dans un four, donc il faut éteindre le feu annexe, ça c'est les pompiers qui devaient le faire, ils l'ont fait à 10h09, donc on est en vert. Et ensuite, l'usine, elle, doit poser un barrage. C'est l'équipe 1 qui doit le poser à partir de 10h10. Voilà la zone en zone B, hein, naturellement. Vider la cuve, ça sera l'équipe 2 qui se préparera, qui devra mettre en œuvre l'affiche opérationnelle 42 bis. Et puis la soudure de colmatage sera réalisée par l'équipe 6. En dessous, vous savez peut-être pas, mais chaque usine PPI doit avoir son alerte propre et des alertes dans les villages concernés par cette alerte. Et donc là, on a les 3 heures, quoi, les 3 horaires auxquels l'alerte est retentie dans les villages concernés. Et puis les plaques qui vérifient la contamination. Qui sont placés, eh bien la plaque numéro 1
est contaminée, la plaque 2 n'est pas contaminée, ça permet de savoir dans quel sens le nuage est parti, et la plaque numéro 3 est en lecture. Voilà. Vous pourrez en savoir plus sur les tableaux de bord. Je remercie Tanit Evolution de m'avoir autorisé d'utiliser leur publication pour vous expliquer ces tableaux de bord. Et pour conclure, puisque je reviens sur le Vaiji, comment je vous ai donné des moyens de aussi bien humains que matériels pour obtenir cette excellence. Lorsque vous avez subi une catastrophe, hein, il faut la transformer en chance, et donc il faut écouter ce que disent vos équipes, il faut ensemble construire les marches de progrès, et ensemble favoriser la cohésion avec des entraînements et la résilience de votre institution grâce à cette cohésion. Voilà, donc on fait ce qu'on appelle des rétex. Alors les rétex exercices, c'est connu, mais il y a un rétex qui est moins connu et qui est pourtant très efficient, c'est le bilan annuel avec chacun de vos opérationnels. Ce tête-à-tête, qui est souvent considéré comme une perte de temps, non. Il n'est pas là pour juger, de dire « Ah, t'es vraiment pas bon ». Il est là pour que, ensemble, vous construisez les marges de progrès et en disant à cet opérationnel « Bon, bah, ta faiblesse, c'est telle chose ». Et donc, on va faire des entraînements pour te permettre de tenir. Et ça, c'est valable, je le répète, dans tous les domaines. Les services régaliens, l'industrie, les opérateurs, la presse, la finance, etc., etc. Voilà, ben, ceux qui veulent en savoir plus, ben, un peu de publicité, si Mégane m'autorise. Mon guide Situation de crise chez Territorial Édition vous donnera plus de renseignements sur la méthode, la planification, les plans, les fiches, les tableaux de bord, les outils, si vous voulez. Mon guide qui s'appelle Chefé, cet art complexe tout d'humanité, vous donnera des signes sur le management opérationnel hors contrainte. Celui qui commande par la contrainte, c'est facile, mais c'est rarement efficient et rarement durable. Voilà, créer la cohésion, l'intelligence des situations, le ressenti et délégation. Et si vous êtes maire ou élu, j'ai résumé ces deux livres dans Sauvegarde communale, des inondations aux pandémies. Hein, je fais le rétex un peu provisoire, malheureusement, quoi, malheureusement provisoire de la crise que nous subissons. Voilà. Et je reste à votre entière disposition. Vous avez mon adresse mail. Vous pouvez me joindre. Je vous appellerai au téléphone. Voilà, j'espère que ce webinaire vous permettra de disposer d'un dispositif de gestion opérationnelle de qualité et qu'à la prochaine crise, vous serez zen. À bientôt.